Là, je commence à être vraiment professionnel par contre des cartes. On va pas faire durer cette intro. Aujourd'hui, je réagis à des vidéos. Waouh. W pour. Waouh. O pour. Oh. Et enfin W pour. Waouh. Ça fait un moment que mon fil d'actualité Instagram est inondé de vidéos qui sortent de nulle part. En réalité, je sais très bien d'où elles sortent puisque les comptes sponsorisent cette vidéo pour apparaître dans mon fil d'actualité et je tombe dans le panneau, bêtement. J'ai eu le malheur justement de m'abonner à un de ces comptes après avoir vu une vidéo et après avoir fait waouh. Et là, c'était fini. Depuis, je suis inondé. J'ai pas envie de me désabonner en réalité. On a tous un petit plaisir coupable comme ça. Par exemple, moi parfois, je mange des yaourts qui sont pas 0%. En gros, c'est des comptes qui vont poster que des choses qui mélangent satisfaction, gadget, art et les petites curiosités là. Je sais pas comment les décrire. C'est Quora sous forme de vidéo en fait, très courte. Je suis un humain basique qui va dire waouh, c'est beau, alors je m'abonne. Et vous savez quoi, j'adore ça. Je sais qu'ils veulent juste avoir le maximum de followers pour ensuite vendre de la merde. Et on va y revenir. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux dans la vie, donc c'est bon, vous m'avez eu. D'ailleurs, c'est un mal pour un bien parce que l'idée de la vidéo cadre époxy vient de ce genre de compte là. Également, ce qui m'a donné envie de regarder ces comptes Insta en vidéo, c'est tout simplement le fait que je déménage en ce moment et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Par contre, la vidéo qui m'a donné envie de regarder ces vidéos-là en vidéo, c'est celle-là. Expliquez-moi. Je veux tout savoir. C'est ça. Expliquez-moi. Pourquoi j'aime tant ça? Pourquoi je le veux? À quoi ça sert? Je sais pas, mais je le veux. Vous voyez ce genre de truc? Eh ben, c'est ça. Cette vidéo, il n'y a pas de message, quoi que ce soit. Juste, on veut être Huawei. C'est parti. Il se passe quoi? Est-ce qu'il y a un truc qui se passe si jamais ils le mettent au milieu? Ok, c'est juste que d'avoir un papa ingénieur, c'est cool. Moi, il est pompier, donc du coup, c'est cool aussi si je me blesse. Ça commence pas fort. Alors oui, là, dès la miniature, je me dis oui. Comment on fait ça? Comment ça s'appelle? Je veux faire ça. Mais en fait, c'est un patator, mais version école d'ingénieur, encore une fois. C'est tout comme réaction? Parce que moi, j'ai ça dans les mains et je tire une boule de feu. Je me pète un câble. Okay, c'est au propane. You get a big boom out the end. Quelle époque incroyable pour les choses satisfaisantes, vraiment, c'est fou. Que des gens testent ça, c'est génial. Vraiment, pour moi, c'est comme l'époxy. Et là, j'ai envie, ça y est. Oh, il faut que j'avance, il faut que je regarde d'autres choses, mais désolé, mais là, j'en veux, hein. En fait, je me dis, en objet, dans un décor, c'est méga stylé, c'est beaucoup trop beau. Alors, là, c'est un niveau d'ingénierie. Je sais pas ce qui se passe. Il y a vraiment des gens trop forts dans ce monde. Mais c'est trop. Moi, ça me fascine. Ça me fascine. Il est en train de briser la glace. Il n'a aucune conscience qu'il est lui-même sur la glace. C'est dangereux. C'est tout. Il n'y a pas la suite. Et ça, c'est aussi quelque chose où ils sont très forts. Quelque chose qui m'énerve avec ces comptes. Je suis en train de briser ma satisfaction comme cet homme brise la glace. Moi, je trouve ça incroyable. Est-ce que ça, pardon, c'est pas... Waouh. Le fait de chanter là-dedans, du coup, les vibrations, elles viennent se transmettre sur le verre, et quand on le joue à l'envers, la petite aiguille passe dans les sillons, parce que le son, c'est des vibrations, c'est trop intéressant. C'est exactement le principe du vinyle, en gros. Un vinyle, c'est fait comme ça, et du coup, il y a une petite aiguille qui vient inscrire, avec des micro-vibrations, toutes les micro-vibrations de la musique, et donc, ça inscrit sur le vinyle. Je suis passionné, là. Énormément. Ça inscrit la musique dans le vinyle. Donc du coup, ça y est, c'est fait. Et quand on va vouloir écouter, il suffit de mettre une aiguille qui va suivre le sillon, en fait. Ça ressemble à ça. Pour amplifier tout ça. Et voilà. Comment il appelle ces enregistrements? T'as gobelet 3. Des fois, je me fais rire tout seul, moi. J'ai trouvé le plus vieux disque vinyle. C'est le premier EP 3 titres qui est sorti de l'histoire. Ça, je l'ai déjà vu et je sais que... C'est vraiment... Voir ça en pleine période de déconfinement Covid-19, c'est vraiment... Au moins, il y a les gestes barrières, il y a les distances, tout le monde se souffle dessus. Pourquoi ça me fait tant rire? Même hors Covid, même ce que tu veux, qui veut que des gens te souffrent sur le visage comme ça? C'est horrible. Mec. Oui, ça me fait rire parce que je serais incapable d'aller au premier cycle. J'ai essayé de faire de la batterie un jour, et ben je suis jamais arrivé à cause de ça. J'arrive pas à désynchroniser mes mains, c'est terrible. Mais putain, j'ai tellement envie d'essayer. C'est tellement... c'est gracieux. Elle porte des crocs. Là, c'est de l'art. J'aime bien, ça me plaît, ça m'attire, j'ai envie de le faire. Regardez ce qui se passe quand on met une lampe UV sur un pigeon. Est-ce que ça marche avec tous les pigeons? J'ai envie de le savoir. Ben, je trouve ça incroyable, on dirait qu'ils ont un message, genre. On dirait que c'est un message antique. Parce que... Attendez.
Aïe. C'est quoi? Pourquoi du... C'est du lait? Oh, ok, elle est en train de générer des tâches. Quoi? Et ça, c'est un truc où je suis vraiment curieux. Là, les gens ont l'air d'être vraiment contents. Un très bon masseur vibrant comme je cherchais. Alors non. Non, normalement, c'est censé aspirer les trucs sur les tapis. Peut-être que c'est normal et c'est moi qui utilise jamais ce genre de machine, mais je me dis, souvent, les trucs de téléachat, les machins comme ça, ils montent des trucs de fou. Comment ils font pour le fake, en fait? C'est ça que je me... Ou alors, ils utilisent d'autres produits, je sais pas, mais des fois, c'est très peu intéressant. T'es trop curieux, ça n'intéresse que moi. Il a fait fondre. On dirait quelqu'un qui boit. Bah pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ils en font quoi derrière? Je devrais m'arrêter à... Ah ok, ça existe dans le monde. Mais non, je veux comprendre. Excusez-moi. C'est une entrecôte là ou c'est où tu fais les pointes? Je comprends pas. Il y a des êtres humains qui me fascinent sur cette planète. Oui, ça, c'est un beau message là. Vous pouvez passer un CAP boucher en 2 ans tranquillement et vous dire à la fin, j'aime pas la viande finalement. Couper des cheveux. Mixer les métiers, je sais pas. Il lui hache les cheveux, c'est incroyable quand même. Oh, pas mal le dégradé, t'as fait ça où? Merci, à la boucherie d'Intermarché. Je critique, mais je clique. Encore le fléau des comptes Insta et ça existe depuis déjà longtemps, mais juste ce genre de description. Hein. Tag tes amis qui voudraient une coupe. À quoi sert le laser? Quoi? Mais attendez, mais c'est une révolution là. J'adore les gadgets qui semblent être révolutionnaires. Et là, je suis pas coiffeur, mais pour moi, je me dis j'ai une tondeuse avec un trait laser, je la montre à chaque personne qui rentre chez moi. Alors là, c'est pas très... Alors... Je pense savoir ce qu'il fait. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais si je finis avec des joues comme ça, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Ils ont fait exprès de mettre cette musique ou... Waouh. N'est le souffle qu'il faut. Tout ça pour que derrière on rentre dans les magasins de déco et qu'on dise « Regarde comme il est moche le pot. » Bravo et respect à tous les souffleurs de verre. C'est de la luge d'été un peu genre. Je veux ça. Envoyez-moi un mail si vous pouvez trouver ça. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là. C'est quoi? Quoi? Je viens de me créer une nouvelle phobie là. Parce que les pieds, quand tu marches, ils s'enfoncent un petit peu quand même. Mais comment il y en a autant? Je suis Huawei. Je savais même pas que les crabes avaient ce compartiment là pour les bébés. Là. J'en sais très peu sur les crabes. Les crabes, c'est passionnant en fait. Crabe, bébé dans le ventre. Oh là, mais quel con! Mais putain, j'ai 12 ans, 12 ans et demi pour taper ça ou quoi? Sérieux? Reproduction crabe vampire. Vraiment sympatoche ces crabes. C'est trop drôle de voir des gens vraiment passionnés de crabes. J'adore. Allez, je vais changer de compte en vrai. En fait, ils postent les mêmes vidéos, donc... Ouais. Là, ok, on est dans les vidéos satisfaisantes et tout, mais ces comptes-là, ne les suivez pas. Ils vont vous avoir avec les vidéos wobant, les vidéos satisfaisantes, les vidéos gadgets, tout ça. Mais c'est dans le but de vous vendre de la merde après, ou alors ils revendent leurs comptes à des marques ou des trucs comme ça, donc surtout, voilà, faites attention quand même. Ouais, alors ça s'appelle l'hydro... Comment déjà? Je sais plus. Hydro-dipping? Wow! Vous voyez, bah ça, c'est exactement le même level que Epoxy. Ok. C'est un hachoir. Dis-moi pas que ça va être de la... Quoi? Donc ça, c'est littéralement de la poudre de verre. Waouh! Alors la poudre de verre est un ajout qui remplace une partie du ciment que nous mettons dans le béton qui sert à construire les trottoirs à Montréal. Mais c'est très bien! Là, grâce à une vidéo d'un gars qui mixe du verre, j'apprends qu'à Montréal, ils font des trottoirs mi-ciment, mi-verre. Vous voyez pourquoi je suis curieux? Oui, oui, ça c'est fort, ouais. Mec, comment avec une fourchette, ils arrivent à avoir une sphère? Comment avec une fourchette, tu peux avoir un... Quoi? Comment il fait ça? Je découvre le game des crafteurs de glace. Ça me plaît. Ne décevez pas. Ça, c'est le genre de gadget. Je sais que je peux peut-être en acheter un. Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est si nul la fin? Pourquoi? C'est un fusil à pompe à fraises. Ils ont réuni une équipe de gars, de chercheurs, pour dire « Les gars, faut qu'on se concerte et qu'on se pose sur un concept pour attraper les mouches. » Tu penses pas qu'il y a d'autres problèmes à résoudre que les mouches? Et ils présentent ça comme si vraiment c'était un gadget du futur. Est-ce que je le veux maintenant? Oui! Du coup, c'est fait pour ne pas les tuer, c'est ça? Parce que si c'est fait pour pas les tuer, on les met où après, les mouches? Ça, c'est vraiment, 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 vraiment... C'est très agréable à regarder. J'ai envie d'avoir un jardin juste pour mettre une haie comme ça. J'achète ça et c'est un plaisir. Tu fais ton jardin là, bah, c'est tout droit, c'est parfait. Bon, écoutez, j'ai été suffisamment Huawei. Parce que sinon je vais commencer à me perdre et je vais passer ma journée ici à regarder sans avoir aucune émotion sur mon visage comme ça. Chose qui est très peu productive, on va pas se mentir. Eh ben écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je retourne à mon déménagement et je vous ferai une vidéo une fois que je serai installé tout ça. Ça va être bien, ça va être bien. Bref, à la semaine prochaine. Tout le temps.